Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui, je suis au Futuroscope avec une invitée exceptionnelle, mademoiselle Maëlle. Coucou. Et c'est ma compatriote normande et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Alors, t'étais partie où? Bah en fait, je suis en quatrième, j'ai beaucoup de devoirs, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Et aujourd'hui, nous allons relever un défi. Vous savez, on adore ça, nous. On va faire un cap ou pas cap et c'est vos missions à vous. Alors, est-ce qu'on en sera capable? Je pense, mais on verra. On verra. La suite, c'est tout de suite et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Wouhou! Notre prochaine mission, c'est de faire l'attraction Je danse avec les robots. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup les robots. Après, vous nous avez demandé de faire le niveau 3 et là, je sais pas trop. Peut-être toi, Maëlle? Non, merci, non. Non? Même pas le niveau 1? C'est mortel, oh, allez-y, 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 c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Bon, bah, je vais être obligée de dire cap alors, hein. Faut que je dise cap pour le niveau 3 des robots, Evana? Ouais, génial. Bon, bah, c'est parti. Let's go. Je sais pas si je le fais les amis, là j'ai vraiment peur. Ça y est, le niveau 3, franchement, il est carrément mieux que le niveau 2, parce que le niveau 2, ça fait mal, mais le niveau 3, en fait, il est génial. J'ai beaucoup crié, mais c'était vraiment très, très chouette. Donc, je vous recommande cette attraction et prenez le niveau 3, parce que c'est trop bien. Donc, maintenant, c'est l'heure de ma mission et vous m'avez demandé de faire de la magie, donc je suis cap. Donc, la Maëlle, elle a ce petit miroir, elle va prendre les rayons du soleil et elle va essayer de toucher la cible qui est ici. Ça va faire tourner le robinet et faire couler l'eau. T'es prête, Maëlle? Eh ben on y va. Allez, allez, on regarde ça. Waouh! Ça, c'est une magicienne. Hein. Pour cette prochaine mission, vous nous avez proposé de réaliser un maximum d'attractions pendant une heure à Futuropolis. Et en plus, ça a été inauguré hier. C'est le monde des enfants. Alors, cap ou pas cap? Cap. Cap. J'ai craqué mon pantalon. Là. Donc voilà, on arrête ça. Ok, donc ma prochaine mission, c'est faire 3 photos devant les attractions et donc je suis cap. Je me trouve maintenant au futur de l'expo pour une nouvelle mission. Vous m'avez demandé de manger quelque chose d'un peu bizarre. Alors au Futuroscope, on peut déguster de la cuisine moléculaire. Je vais tenter ça. Ça c'est du sirop de coquelicot emprisonné avec de l'alginate de sodium. C'est un gélifiant à base d'algues. Vous allez aspirer les billes, vous les croquez, et c'est là que vous allez avoir vos saveurs de coquelicot en bouche. D'accord. Sous le cocktail, je vous rajoute un effet visuel. D'accord. Ah. De l'eau avec des glaçons de dioxyde de carbone à moins 80 degrés. Donc du gaz sous forme solide qui, au contact de l'eau, reprend son état gazeux. Ce qu'on appelle aussi la sublimation. Et ça va vous emmener à l'expérience avec la réglisse. Oula, ça vibre et tout. Ouh. Ah là là, c'est magique là. Oh, truc. Ah, c'est énorme. Je sais pas si je vais avoir envie de manger, mais c'est juste dingue. Oh là là. Oh, oh là là, il va y en avoir partout. Pendant que ça grossit, je vais goûter ce cocktail. Donc, un cocktail avec du coquelicot. Et là, il y a plein, regardez, il y a plein de petites perles dedans. C'est pas mal.
c'est la première fois que je goûte du coquelicot. Avec les petites perles, franchement, c'est bon. On dirait un petit bonbon. C'est acidulé, c'est très doux en bouche. C'est bon, je valide. On va se tenter celui-là. On espère qu'on ne va pas se faire intoxiquer. Original. Bon, bah, j'ai réussi ma mission. Dernière mission pour vous les filles, ça va être de faire un TikTok dans le Futuroscope, mais un truc assez cool, rigolo. Enfin, je vous laisse faire, je pense que vous avez déjà des idées. Ok, bah moi je suis cap. Moi aussi. Merci Maëline. Tant mieux. De rien. Notre voyage au Futuroscope s'achève ici. On a été vraiment ravis de découvrir pour la toute première fois de notre vie le parc. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour toutes vos missions. Merci aussi aux équipes du parc qui nous ont vraiment super bien accueillis. On a été ravis de passer deux jours ici. En plus, on a revu plein d'amis youtubeurs. Donc ça, c'était trop cool. Et au niveau des attractions, alors là, on s'est éclaté. Et Maëlle, qui n'aime pas pourtant faire des attractions à sensations fortes, là, elle en a deux à vous conseiller. Hein. Donc l'extraordinaire voyage, c'est vraiment top, on s'y croit vraiment, donc je vous conseille vraiment. Et Arthur et les Minimoys, c'est pareil, c'est top. Au départ, moi j'avais peur, mais au final, je me suis vraiment éclatée. Bref, c'est un parc pour toute la famille et quand il fait beau comme ça, mais c'est trop chouette. Voilà, on vous fait plein de gros bisous. Soyez heureux, n'hésitez pas à passer du côté de la chaîne de Mademoiselle Maëlle parce qu'il y aura quelques surprises qui vont vous attendre prochainement. Et sur ce, à bientôt. Ciao.